Seigneur, que notre aide, notre secours nous vient de toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci Père, mon Père, est-ce que tu peux soigner les mots, est-ce que tu peux soigner ta parole, est-ce que tu peux la confirmer toi-même, Seigneur, et que par elle, Père, nous puissions avoir la vie, Seigneur. Amen. Nous sommes un peuple tellement nécessité, Seigneur, avec beaucoup, beaucoup de besoins, mon Dieu. Et nous croyons, Père, que notre solution se trouve dans ta parole. Amen. Nous prions, Seigneur, de nous rendre attentifs à la parole et de nous faire saisir. Et la folie du monde ne puisse pas s'emparer de nous, Seigneur. Amen. Et que, oh Dieu, puisse être ton message avec nos lampes remplies de Seigneur. Et puisse en être ainsi, Père, alors que nous te remettons ce qui est bon, Seigneur. Je priais, je confessais mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, ta parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, alléluia, pour sceller la vision et les prophètes, mm-hmm, et pour oindre le saint des saints. Amen. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'eau au producteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fosses seront rétablies, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Que Dieu ajoute des bénédictions à être sa parole. Faut qu'on nous asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'espère que tout le monde se porte bien. Amen. Je vous présente les au revoir de ma belle-mère et des deux voyageurs aujourd'hui. On a couru le matin, très tôt le matin à l'aéroport, et puis on a arrivé là-bas, l'avion était cancellé. Et donc il est là-bas à l'aéroport, mais m'a demandé que je puisse lui dire au revoir. Amen. Donc nous allons essayer de continuer un peu sur la leçon que nous sommes en train de voir. Vous savez que nous sommes en train de parler sur la vie du Seigneur. Et nous sommes toujours dans notre sous-thème que nous avons intitulé « Un prophète comme Moïse ». Je ne sais pas si quelqu'un a eu le temps de suivre la voix d'ici, comme nous l'avons dit. Merci Frédéric. Tu as vu beaucoup de choses qui sont dedans, non? C'est très bon. C'est très très bon. Faut vraiment prêcher la voix d'ici 3 fois 64. Si vous avez le temps, si vous avez une version, écoutez cela, je crois que ça bénira votre cœur. Ok, amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Entrons dans notre maison. Père Benjamin, le Seigneur te bénisse. Je suis content de vous voir tous. Nous sommes en train de parler de la venue du Seigneur. Et nous avons essayé de l'explorer du mieux que nous le pouvons. Mais essayer de prendre quelques aspects. Parce que mon but est de donner des points précis. Et je crois qu'on va y arriver. Des points précis qui vont nous montrer à quel moment nous sommes fixés dans le plan de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Remarquez, nous avons montré que lorsque le Seigneur vient, parce que même définir le Seigneur, c'est tout un problème. Mais lorsque le Seigneur vient,
et qu'il vient dans ce qu'on appelle la venue du Seigneur, il doit venir avec un titre ou avec un nom de fils. C'est ce que nous avons dit. On ne peut pas parler de la venue du Seigneur s'il n'y a pas un nom de fils qui lui est collé. Et nous avons dit que le Seigneur, lorsqu'il vient, il vient sous trois noms de fils. Et les trois noms de fils qu'il a, c'est d'abord le fils de l'homme, et puis nous avons le fils de Dieu, et nous avons aussi le fils de David. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et je voulais d'abord que vous puissiez comprendre cela, qu'il n'y a pas de venue du Seigneur si le nom de fils n'y est pas attaché. Parce que souvenez-vous, Frère Branham nous a dit que la venue du Seigneur, c'est juste une seule grande venue, mais qui va se manifester dans une certaine trinité. Mais comment l'identifier dans cette trinité? C'est au travers des noms des fils. Parce que Frère Branham dit, il vient sous les trois noms des fils. Amen. Et souvenez-vous, nous avons d'abord regardé le pèlerinage terrestre du Seigneur Jésus par rapport à la 70e semaine. Selon le conseil de Frère Branham, nous disons que si nous ratons les 70 semaines, notre difficulté sera grande. Amen. Parce que nous allons continuer de confusion en confusion. Et Dieu a été bon, il nous a envoyé Frère Branham, qui nous a aidé à comprendre les 70 semaines de Daniel. Mm. Et il nous a montré que la dernière semaine, ou la 70e, qui devait introduire le ministère du roi, Frère Branham nous a montré que c'était une semaine de 7 ans. Et que Jésus, quand il était sur la terre, le ministère du Christ sur la terre a duré 3 ans et demi. Parce que nous savons que Jésus a été baptisé quand il avait aux environs de 30 ans, comme dit la Bible. Et lorsqu'il sortit de l'eau, l'onction est descendue sur lui. Et la voix a dit, « Voici mon fils bien-aimé, dans lequel je me plais de demeurer. » Écoutez-le. Et remarquez, Frère Branham nous a montré que quand il était sur la terre, il s'est identifié lui-même comme étant le Fils de l'homme. Amen. Et nous avons commencé à définir ces principes ici, ou bien ces concepts. Et nous avons vu que Fils de l'homme, le mot Fils de l'homme simplement signifie prophète. Et Jésus, quand il était sur la terre, tout le monde savait que ce monsieur était un prophète. Mais remarquez, pour qu'on puisse avoir le Fils de l'homme, on a besoin de voir l'onction de Dieu qui descend sur ses prophètes. Et l'onction là, c'est la colonne de feu, le logo sur le Fils de Dieu. Donc quand vous avez le Fils de Dieu qui vient rendre un Fils de l'homme, alors là, ça va vous produire le Fils de l'homme. Amen. Et remarquez, cette promesse du Fils de l'homme ou du roi, c'est une promesse que Moïse avait donné à Israël. Lorsqu'il a dit à Israël, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Je vous ai dit qu'Israël, entre Moïse et le Seigneur Jésus, a eu beaucoup de prophètes. Mais aucun d'eux ne pouvait dire, je suis le prophète tant attendu. Parce que celui-ci, il était un prophète différent. Et je vous ai dit, souvenez-vous, lorsque vous voyez la colonne de fer entrer en scène, elle ne vient pas en scène pour rien. Nous savons que lorsqu'elle vient, elle vient parce qu'elle est en train de vouloir amener le peuple dans un exode. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et remarquez, William Branham nous a dit que dans la parole, à part les petits exodes qu'Israël a connus, nous avons les trois grands exodes qu'il y a eu. À savoir, l'exode qu'il y a eu au temps de Moïse, l'exode qu'il y a eu au temps du Seigneur Jésus, et l'exode que nous avons au temps de la fin. Et Frère Branham nous dit que nous devons comprendre l'exode qu'il y a eu, Dieu essaya de tirer une nation dans une autre nation. Parce que ce sera l'antitype de ce que nous allons avoir aujourd'hui. Amen. Est-ce que c'est clair, justement? Amen. Et remarquez maintenant, pour pouvoir avancer facilement, nous avons compris que lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, là, dans cette venue, il s'est identifié au nom du Fils qui était le Fils de l'homme. Après qu'il ait quitté la terre, parce que selon la promesse, il était venu du Père et il devait retourner au Père. Et nous savons qu'il avait quitté l'enveloppe terrestre.
pouvoir retourner au Logos. Et c'est pour ça que durant cette période, remarquez un peu dans Daniel 27, si vous pouvez regarder ça avec attention, vous allez voir que là-bas, il nous est promis qu'il y aura un moment où l'offrande sera arrêtée. Amen. Comprenez cela? Il y aura un moment où l'offrande, parce qu'Israël devait toujours offrir l'offrande à Dieu. Et il y avait un moment où on avait dit que cela sera arrêté. Et Frère Branham dit, remarquez, quand est-ce que cela devait être arrêté? C'est quand le tabernacle devait être détruit. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que Dieu, il traite soit avec l'église naturelle, soit avec l'église spirituelle. Et quand il traite avec les uns, il laisse les autres. Quand il traite avec les autres, il laisse les uns. Et remarquez maintenant, quand le Seigneur Jésus était venu, il était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais à cause de l'aveuglement, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple aveuglé, comme Joseph, lui a fait du tort. De sorte que nous qui étions au loin, nous puissions aussi être appelés. Et vous allez remarquer là maintenant, que quand le sacrifice est arrêté, Dieu ouvre les sept âges de l'Église, qui sont les sept périodes de temps que Dieu donne aux autres qui n'étaient pas des Juifs, de pouvoir aussi entrer. Est-ce que c'est clair jusqu'à? Parce que, selon Esaïe 61, lorsqu'il avait pris les rouleaux, il avait dit, l'Esprit du Seigneur m'avait oint. Il m'avait oint pourquoi? Pour proclamer une année de grâce. Et souvenez-vous, la grâce ne peut être que là où il y a le sang. Amen. Vous comprenez ça? Amen. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de grâce. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et Dieu ici a accompli l'écriture de Lévitique au chapitre 16 qui disait que le souverain sacrificateur devait répandre le sang sept fois. On devait avoir sept aspersions du sang en direction de l'Est. Vous êtes là? Amen. C'était ça la promesse de Dieu. Et remarquez maintenant, selon William Branham, par rapport au livre d'Apocalypse, il va nous dire que les sept aspersions du sang, nous allons les trouver dans l'Apocalypse, commençant du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. C'est là où nous trouverons les sept aspersions du sang. Et remarquez que les sept aspersions du sang, comme nous avons le sang, alors cela nous a donné ce que nous avons appelé avec le prophète le trône de grâce. Et pourquoi c'est le trône de grâce? Parce qu'il est aussi environné de quatre êtres vivants. Amen. Lorsque vous voyez dans Ézéchiel, lorsque vous voyez dans l'Apocalypse, vous allez voir que le trône est environné de quatre êtres vivants. Ça commence même dans le Nouveau Testament. Lorsque vous regardez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que c'est le livre qui est entouré, amen, par toujours les quatre êtres vivants. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donnez-moi les amen, j'avais besoin. Amen. Remarquez maintenant, nous allons voir que ceci est appelé le trône de grâce parce qu'il y a le sang. Et les sept aspersions de sang sont faites au travers des sept messagers. Amen. Pourquoi ceci? Ceci ressemble exactement à ce que Moïse a essayé de faire lorsqu'il était en Égypte. Parce que Dieu avait dit lui-même que lorsque je viendrai pour délivrer mon peuple, je descendrai par ma main puissante. Et nous avons vu que la main puissante de Dieu, ce n'est pas un bras qui a fait beaucoup, beaucoup d'exercices. Mais la main puissante de Dieu, c'est un prophète. Amen. 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 Et Frère Branham nous a dit, souvenez-vous, Jésus est la droite de Dieu. Amen. Et lorsque nous sommes partis voir dans la main droite du Seigneur Jésus, nous y avons trouvé les sept étoiles. Amen. Amen. Et Branham nous a dit, souvenez-vous que Moïse n'était pas un gaucher. Vous vous souvenez de ça? Amen. Nous avons lu la citation. Moïse n'était pas un gaucher. Il était un droitier parce que ça devait correspondre à ceci. Souvenez-vous que le but de Moïse en voyant Israël était de faire sortir Israël de l'Égypte. Amen. Amen. Et ici, nous allons avoir nos sept aspersions de sang. C'est Manuel, ça va jusque-là. Et les sept aspersions de sang font que vous ne pouvez pas être pardonné si vous n'êtes pas sous une certaine aspersion du sang. Amen. Très bien. Amen. Et vous devez savoir sous quelle aspersion du sang vous êtes. Parce que Dieu
il a fait cette aspersion de sang au travers de cette messager. Amen. Mais souvenez-vous, c'est ce que Frère Branham dit. Il dit, l'exode d'Israël en Égypte était un exode naturel. Il dit, mais ici, faites attention, nous sommes confrontés à un exode spirituel. Amen. Donc même les sang dont nous parlons, c'est Emmanuel, souvent on dit le sang de Jésus, je crois que c'est un langage que tout le monde connaît. Mais nous ne croyons pas que le sang de Jésus, c'est un liquide quelconque qui est quelque part. Amen. Amen. Parce qu'ici, il s'agit maintenant d'une signification spirituelle. Amen. On va dire, voilà, on dit, le Seigneur Jésus, il avait, en tant qu'être humain, il avait une certaine quantité de sang dans son corps. Parce qu'un homme a plus ou moins à peu près 5 litres, je crois. À peu près 5 litres. Il ne pouvait pas avoir plus. Mais ce sang-là typifiait quelque chose. Et on sait que le sang a toujours parlé de la vie. C'est pour ça qu'un papa peut dire de ses enfants, c'est mon sang. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Et remarquez maintenant, on devait avoir les 7 aspersions du sang. Parce que nous savons que s'il n'y a pas d'aspersion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Et comme Jésus, il avait été dit, il dit, viens, assis-toi à ma droite. Il n'y a pas une autre droite de Dieu qui est ici. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et Branham nous dit que cette position n'était pas éternelle. Vous savez ça? Amen. Mais elle devait finir quand la dernière aspersion du sang devait être faite. Alléluia. C'est pour ça que nous croyons que c'est durant cette période de grâce que l'intercession a couru. Vous êtes avec moi? Amen. Je vous ai dit que le livre d'Apocalypse, elle est écrite dans une intelligence qui se suit. Et Frère Branham nous a expliqué ce livre par rapport à cette intelligence. C'est pour ça que Frère Branham l'a divisé en 3 parties. Il a dit, nous avons Apocalypse 1 à Apocalypse 3. Puis nous prenons de 3 jusqu'à 19. Et puis nous prenons de 19 jusqu'à 22. C'est comme ça que William Branham nous a présenté les livres d'Apocalypse. Yes, pourquoi l'a-t-il fait ainsi? C'est pour que nous ne puissions pas l'aborder autrement. Sinon, nous allons nous embrouiller. William Branham dit, c'est comme ça que les adventistes et les témoins de Jéhovah se sont embrouillés. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas compris les 70 semaines et qu'ils n'ont pas compris ces plans, ils ont pris les 144 mythes et en ont fait les témoins de Jéhovah, par exemple. Mais Branham dit que Apocalypse 1 à Apocalypse 3, c'est Dieu qui est en train de traiter uniquement avec son Église. Yes. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous avons vu avec vous que Apocalypse chapitre 4, l'Église doit se retirer du chemin. Amen. Yes, sir. Apocalypse 4, l'Église est enlevée. C'est l'appel à sortir de l'Église. Apocalypse chapitre 5, nous avons l'appel aux parents rédempteurs. Parce qu'il y a un livre qui est scellé de 7 sceaux. Amen. Et Frère Branham dit, le livre de la rédemption, c'est le Nouveau Testament. Amen. Vous croyez cela? Amen. Et remarquez maintenant, on va faire l'appel aux parents rédempteurs pour qu'ils viennent briser les sceaux. Mais Branham vous fait remarquer, il dit du départ de l'Église jusqu'à Apocalypse 19, ici dans cette partie, Dieu doit traiter seulement avec Israël. Et Dieu traite avec Israël dans cette dernière partie ici, dans ces 3 ans et demi qui restaient. Et cette période-là, c'est ce qu'on appelle la tribulation. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit les déclarations de Frère Branham qu'il a fait que nous ne pouvons pas enlever. Parce que ce que le prophète a déclaré, personne n'a le droit de le toucher. Amen. Et personne n'a le droit de l'expliquer. Amen. C'est Frère Branham qui explique Frère Branham. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et Frère Branham va nous dire, regardez les schémas. Il va vous dire d'abord que, parce que c'est Apocalypse chapitre 6 hein, où on commence à ouvrir les sceaux. Vous pouvez voir cela dans votre Bible. L'ouverture des sceaux, c'est Apocalypse chapitre 6. Et Branham nous fait une bonne déclaration. Il va vous dire, remarquez, les livres qui étaient scellés, ouais, ces livres-là ne révélaient, parce que quand on dit qu'il est scellé, ça signifie qu'il est voilé. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc ces livres-là ne révélaient
qu'une fois les âges des églises et des dénominations terminés. En d'autres termes, c'est au-delà d'Apocalypse chapitre 3 que le livre est révélé. Amen. Et puis, il faut quand même pas regarder maintenant les événements que le livre d'Apocalypse est en train de donner. Il donne les événements qui arrivent dans Apocalypse chapitre 6, c'est les sceaux. Il va donner les événements qui arrivent à Apocalypse chapitre 8, verset 2, c'est les trompettes. Il va donner encore les événements quand on continue, les malheurs, la femme dans le soleil, et Branham va regarder effectivement, et il va vous faire la déclaration que ce genre de choses arrivent durant la période de la grande tribulation. Parce que c'est le plan même de la Bible. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors pour nous, il était important de comprendre d'abord comment est-ce que l'Église doit partir. Parce que ça, c'est une difficulté. N'est-ce pas? Amen. Nous devons comprendre comment l'Église doit partir. Parce que je vous ai dit, si vous vous souvenez à mes débuts, j'ai dit que la venue du Seigneur ne concerne que les élus. Vous vous souvenez de ça? Amen. J'ai dit que ça ne concerne pas tout le monde, ça ne concerne que les élus. Amen. Amen. Prenons d'abord le plan. Si vous êtes avec moi, on va lire là, on avait lu la dernière fois, dans le premier saut, à partir du paragraphe 61. Je vais lire ce moment-là. Je commence à partir du paragraphe 61, le premier saut. Il dit ceci: maintenant, remarquez, mais cela doit être révélé. Quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père, bon, ça c'est Apocalypse 5. Parce qu'Apocalypse 5, on l'appelle pour qu'il quitte les lieux d'intercession. Écoutez. Amen. Maintenant, il prend les livres des sceaux, les livres des sceaux ou un livre scellé des sceaux. Il les brise et les montre. Regardez, à la fin de l'âge, une fois l'intercession terminée, que les âges de l'Église sont terminés. Donc la partie où on parle de lui intercédant, c'est toujours le trône de grâce. Et je vous ai dit pourquoi il devait intercéder. Frère Branham nous dit, l'agneau devait intercéder à cause de l'ignorance. William Branham nous montre. Nous tous, nous croyons que Martin Luther était un messager. Oui. Vous croyez que c'était Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. Mais Branham va vous dire que Martin Luther, il fumait la pipe. Alléluia. Et il buvait de la bière. Donc, et il baptisait les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que il ne devait que recevoir une portion de la parole pour son temps. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et c'est à cause de l'ignorance que l'agneau devait rester sur le trône. Amen. Après les sceaux, il n'y a plus d'ignorance. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le plan de Dieu est dévoilé. C'est pour ça que Dieu a gardé les sceaux jusqu'à la fin pour que le diable ne puisse pas les comprendre. Mais une fois que la chose est accomplie, alors il les dévoile, même si le diable le voit, c'est trop tard. Vous êtes avec moi? Amen. Même Jésus, quand il était sur la terre, Frère Branham nous dit, le diable s'est posé la question. Est-ce lui ou ce n'est pas lui? Parce que, comme le frère Apollon a chanté, si le diable savait que Jésus montant à la croix, ça allait produire tout ça, il allait tout faire pour qu'il ne meure jamais. Amen. Mais comme Dieu a sa manière de cacher son plan au diable, il va l'amener jusqu'au bout. Quand la chose va s'accomplir, il va ouvrir les yeux, c'est trop tard. Parce que souvenez-vous, le sceau signifie œuvre achevée. Et dans la manière de faire de Dieu, Dieu a accompli d'abord une chose et révèle la chose ensuite. Amen. Amen. C'est pour ça que Martin Luther, quand il était sur la terre, il ne savait même pas qu'il est messager. Amen. Mais il y avait une force simplement qui le conduisait. Comment? Il n'était rien, c'était un petit Allemand. Et cet homme, il a fait face à l'Église catholique. Peut-être que vous ne savez pas ce que l'Église catholique faisait en ces temps-là. L'Église catholique en ces temps-là démettait les rois. Si un roi parle, le pape dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus considéré comme le roi. Et tout le monde le lâche. Amen. Gloire à Dieu. Et ce pouvoir, l'Église catholique l'a toujours. Méfiez-vous. Amen. Amen.
jusqu'à cacher. Amen. Amen. Et ce petit moine bénédictin, il a lu la Bible. Il a dit non, ces livres, il faut que les gens les lisent aussi. Il a dit soit l'église a raison, soit ces livres ont raison. Mais ce qui est vrai, c'est que les deux ne parlent pas le même langage. Il est sorti de devant son église et il a mis les thèses. Il les a placardées sur la porte. Et il a dit que la personne qui viendra discuter avec moi, qui ne vienne pas sur base des credos de l'église, amen, mais qu'il vienne sur base de la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Et ils étaient ignorants. Même, ils étaient en train de boire la bière. Pour eux, ce n'était pas grave. Pour ces gens-là, boire la bière n'était pas un problème. Amen. C'est comme ça que nous voyons qu'en ces jours-là, là avant, la polygamie n'était pas un problème. Mm. Vous êtes avec moi? Amen. Là-bas, à cette époque-là, fumer la pipe n'était pas un problème. Mm. Parce qu'ils n'avaient pas encore la révélation sur la pipe et la bière. Mm. Et vous allez voir que Dieu, comme c'est un Dieu qui avance, parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que nous ne voulons pas avancer avec Dieu. Amen. Et si nous ne voulons pas avancer avec Dieu, nous allons rester des vieilles épaves rouillées. Vous allez voir que Dieu voulait encore donner plus à son peuple. Et il a suscité John Wesley. Amen. John Wesley est venu montrer aux gens que la sainteté, on ne peut pas l'ôter d'un chrétien. Amen. Parce que celui-ci disait que le juste vivra par la foi. C'est pour ça que nous croyons que la vraie révélation va apporter même la sainteté dans notre vie. Amen. 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 Vous le croyez? Amen. Et John Wesley est venu dire non. Il dit nous devons être saints et purs. Parce que notre Dieu est aussi saint, il est pur. Amen. Et Wesley a commencé à nettoyer l'église. Amen. Parce que Dieu ne peut pas mettre son esprit dans un vase qui est sale. Très bien. Il était en train de préparer la voie pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Aujourd'hui, nous voulons être les vases sales et nous allons penser que Dieu va mettre son esprit là-dedans. Non. Gloire à Dieu. Amen. Un jour, je crois que c'est le frère Yves qui prêchait dans le Baran Tabernacle. Et il a prêché pourquoi Marc 16 n'est pas en action dans l'église. Amen. J'ai toujours dit quel courage au Baran Tabernacle. Et quand il finit sa prédication, le frère Baran monte. Il dit, frère, tu as raison. Dieu ne mettra jamais son esprit dans un vase qui est sale. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Gloire à Dieu. Et John Wesley a travaillé à cela. À ce que l'église puisse être nettoyée. Et comme l'église était nettoyée, maintenant Dieu devait permettre que le don de l'esprit revienne dans l'église. Alléluia! Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Ah. Amen. Mais remarquez une petite chose, là où je vais attirer votre attention. Avant que les sept périodes de temps arrivent, vous allez voir que vers l'an 70, ici, de notre ère, un monsieur romain, parce que Rome a toujours été l'ennemi de Dieu, quelle que soit la forme qu'il prend. Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. Amen. Un monsieur qu'on appelait Titus, il était venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le tabernacle et il a détruit Jérusalem. Amen. Et on a dispersé les Juifs dans le monde entier. Souvenez-vous que les promesses de Dieu sont valables pour Israël uniquement quand Israël est dans sa terre. Amen. Cela montrait, c'était une preuve que Dieu les avait mis entre parenthèses. Vous comprenez ça? Amen. Et les Juifs ont été complètement dispersés dans le monde entier. Parce que Dieu voulait maintenant traiter avec nous, les nations. Amen. Et vous allez voir que lorsque nous allons commencer à arriver, parce que la Bible avait promis que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que... Amen. Jusqu'à ce que quoi? Amen. Le temps des nations arrive à leur terme. Amen. Et le temps des nations, c'est les sept âges de l'église. Mmh. Il n'y a pas un autre temps. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je peux dire son madame sur cela. Amen. Il dit, Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations arrive à leur terme. Et nous allons constater que vers les années 40 et quelques, des événements vont commencer à arriver. Vous êtes avec moi? Amen. Et ces événements qui arrivent vont vouloir ramener les Juifs dans les terres. Saint Manuel, le retour d'Israël là-bas, ce n'est pas un hasard. C'était écrit déjà dans la Bible. Un jour, je parlais avec mon fils, hein,
Il me dit, papa, tu es sûr qu'il y aura trois guerres mondiales? Je lui ai dit, oui, je suis sûr. Mais il me dit, mais comment? Je peux te les montrer, c'est écrit dans la Bible. Vous êtes avec moi? Amen. Mais c'est écrit dans la Bible. Je dis, oui, c'est écrit dans la Bible. Le problème, c'est que quand l'homme n'est pas attentif à la parole, il ne va rien voir. C'est tout. Amen, c'est vrai. Lisons d'abord le plan concernant les fléaux, pour que nous voyons comment les fléaux sont tombés sur l'Égypte, comment les fléaux tombent encore sur l'Église, comment Dieu a tiré Israël de l'Égypte, comment Dieu va tirer l'épouse de l'Église. Fobanam dit ceci, 1er Sophagia 62. Il est arrivé au premier âge, à l'âge de Fès. Il a révélé, il a envoyé le messager. Remarquez ce qui se passe, afin que nous continuions. En voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Un âge de l'Église commence. Donc un sceau est ouvert. Comprenez cela? Amen. Ça signifie qu'un mystère est dévoilé. L'ange va saisir ce mystère. L'ange va sonner la trompette. Cette trompette va déclencher une guerre. Et puis après, le fléau va tomber. Vous comprenez? Amen. Vous voyez le plan comment il se passe? Comme par exemple les guerres. Parce que nous croyons que les sceaux qui s'ouvrent ici, ce ne sont pas les sept sceaux. Non, 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 non. Ne faites pas cette erreur. Les sceaux qui s'ouvrent ici, c'est du premier jusqu'au quatrième sceau. Amen. On reste là? Oui. Sois avec moi. Du premier jusqu'au quatrième sceau. L'idée, par exemple, dans son temps, les sceaux s'est ouvert. Et il devait percevoir le mystère pour son temps. Et ce mystère pour son temps disait que le juste vivra par la foi. Wow. Parce qu'à cette époque-là, celui qui payait l'argent, il avait droit au purgatoire et au ciel. Alors lui, quand il va sonner sa trompette, cela va déclencher une guerre. Amen. Amen. Et puis après, à la fin de cela, la trompette de l'Éternel va produire les résultats pour les élus et les fléaux vont tomber sur ceux-là qui ont rejeté son message. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. Ça, c'est le plan. Continuons maintenant. Il dit, par exemple, son droit. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais à ce moment-là, il saisit le mystère de Dieu, puis il va vers le peuple, après que le mystère lui a été donné. Il va vers le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à proclamer ce message. Ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Ensuite, Dieu prend son messager et les élus de cet âge-là. Il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Un jugement temporaire. Amen. Et à partir de ça, je vous ai expliqué le schéma des vierges folles. Vous vous souvenez de ça? Amen. Parce que Frère Branham dit ceci. Il dit, lorsque dans la parole de Dieu, vous voyez les chandeliers, vous voyez la lune, vous voyez les étoiles, sachez qu'il s'agit de la période qu'on appelle la nuit. Donc la période de la nuit, c'est la période du trône de la grâce, c'est la période de l'intercession. Vous êtes là avec nous? Amen. C'est la période des âges de l'Église. Et c'est pour ça que trop madame nous dit qu'à l'époque d'Israël, la nuit n'était pas divisée comme aujourd'hui en heures, mais la nuit était divisée en veilles. Et nous a montré nos sept veilles. Et là, souvenez-vous, Matthieu 25, il dit 10 vierges qui sortirent. Vous êtes avec moi? Amen. Et chacune de ces vierges devait avoir, il devait avoir de l'huile dans son lampe. Dans sa lampe. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir une lampe, mais on doit avoir de l'huile dans sa lampe. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la septième veille, la voix a dit, voici l'époux. Alléluia. Quand la voix a dit, voici l'époux, la vierge est sage, elle est entrée.
Et la vierge folle, c'était le moment maintenant de commencer à chercher de l'huile. Amen. On va lire Frère Branham, qu'est-ce qu'il explique par rapport à ça. C'était le moment pour eux, parce qu'on a dit qu'on n'aura pas assez d'huile pour vous et pour nous. Allez-y pour chercher. Ils ont commencé des jeûnes et prières, pensant que Dieu était avec eux. Ok. Est-ce que jusque-là, le plan, ça va? Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, regardez un peu le plan par rapport à la Vierge folle. Prenons l'âge de Luther. Il est là. Parce que nous croyons que c'est là où la vraie restauration commence. L'âge de Luther, lorsque Luther vient, il saisit le mystère de son temps. Luther le proclame. Lorsqu'il le proclame, ça va déclencher deux catégories de gens dans les groupes de Luther. Dans les groupes de Luther, on aura ceux-là qui seront scellés. Ça sera la Vierge sage. Et on aura des luthériens qui seront là, qui ne seront pas scellés. Ça sera la Vierge folle. Vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'ici, dans l'âge de Thyatire, les catholiques sont devenus des prostituées. Vous savez que l'âge de Thyatire, c'est le millénium catholique? Amen. Alléluia. Et ils sont déjà des prostituées. Alors, Luther va déclencher deux catégories de gens. Il y a ceux-là qui vont comprendre le but de son ministère, Dieu va les sceller. Et comme nous avons vu, quand Luther arrive à la fin, Dieu va prendre Luther et les vierges sages de son temps et il va leur donner un repos. Sois avec moi. Il va leur donner un repos. Et ce qui va se passer après, c'est que dans l'âge suivant, dans l'âge de Wesley, ceux qui étaient les vierges folles de cet âge vont vouloir encore amener le littéralisme au temps de Wesley. Alors que Wesley, les deux personnes aussi vont sortir de lui. Mais alors, quand les vierges folles qui étaient du temps de Luther arrivent dans l'âge de Wesley, ils ne sont plus des vierges folles. Ils sont devenus la prostituée. C'est pour ça que quand on arrive à la fin du cycle, Frère Branham nous dit, les luthériens, les wesleyens, les pentecôtistes sont des mouvements antichrist. Parce qu'ils sont devenus la prostituée. Et Dieu avait promis que lorsque je frapperai la grande prostituée par le fléau, je frapperai des morts ses enfants. Amen. Parce que William Branham nous dit que elle n'est pas seulement seule. Cette grande prostituée, elle a aussi des enfants. Et il faut Branham pour c'est qui les enfants on est étonné. Ce sont les littéraires, les Wesley et les pentecôtistes. Comment sont-ils devenus des enfants? C'est au travers de ceci. Amen. Parce que la vie les a quittés. Amen. 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 Donc, si vous avez le temps, lisez le premier saut jusqu'en bas. Moi, je passe à Shalom. Le message Shalom qu'il a prêché le 12 janvier 1964. Frère Branham dit ceci. Une profonde obscurité. Paragraphe 94 et 95 et 96. Une profonde obscurité et l'aveuglement d'Israël. C'était la lumière ou l'éclaircissement pour les nations. Maintenant, l'aveuglement des gentils, c'est l'éclaircissement pour Israël. Amen. C'est juste comme le jour et la nuit. Un côté a les ténèbres, l'autre côté a la lumière. Ensuite, la lumière passe de l'autre côté. La lune passant comme elle est fit, la réflexion des ténèbres du monde obscurcissant sa lumière. Cela reflète pour nous que l'âge de l'Église des nations est terminé. Amen. Vous comprenez ça? Amen. L'Église se prépare. Elle se prépare depuis un certain temps. C'était le temps pour l'enlèvement, car les ténèbres descendent sur les nations et l'aube va bientôt apparaître pour les Juifs. Le soleil a voyagé de l'est à l'ouest et nous sommes sur la côte ouest. La lumière ne peut faire qu'une seule chose, retourner à l'est de l'autre côté. Vous comprenez? Il dit, la lumière ne peut que retourner de nouveau à l'est où elle a commencé, en Israël. Amen. Dieu les a aveuglés pour un certain temps. Mais maintenant, les ténèbres viennent sur le monde des nations. Et cela a couvert tout cela. Les nations vont fouler aux pieds Jérusalem, jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Amen. Jésus l'a dit. Et maintenant, c'est terminé. Amen. Une profonde obscurité est sur les champs. Amen. Dieu reflétant cela dans les cieux, comme il a montré sur la terre, avant que tout cela n'arrive. Amen. Amen. Parce que Frère Branham l'avait dessiné.
Vous vous souvenez de cela? Amen. Et quand Branham a dessiné, quand le pape a mis ses pieds à Jérusalem, le grand Titus, Dieu l'a répété encore dans les cieux. Vous vous souvenez de cela? Amen. Et faut Branham dit, montrant que c'est comme le jour et la nuit. Quand les uns sont éclairés, les autres sont aveuglés. Et l'aveuglement dont nous parlons, les ténèbres dont nous parlons, ne sont pas des ténèbres naturelles. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Et je vous ai dit, c'était l'avant-dernière plaie qui avait frappé l'Égypte. C'était devenu ténébreux. Et c'est pour cela que, dans Reconnaître votre jour, lorsque Frère Adam voit cela, il dit, oh, peut-être que l'Église est partie déjà. Ou que le dernier élu a été appelé. Amen. Parce qu'il lui avait dit que Jésus resterait dans cette position jusqu'à ce que le dernier élu puisse entrer. Amen. Je continue ma lecture. Alléluia. Des braves gens sont pris dans cette chose. Des braves gens, des gens sincères. C'est comme Marie et Joseph. Ils étaient très sincères, voyez-vous. Ils pensaient que Jésus était avec eux, alors qu'ils n'étaient pas. Marie et Joseph, vous savez, lorsqu'ils étaient à la fête, Jésus avait 12 ans, et ils pensaient, ils présumaient qu'ils étaient avec eux, mais ils n'étaient pas. Des braves gens d'aujourd'hui pensent la même chose. Ces gens qui organisent ces conseils des églises, ces gens dans ces organisations, ne vous trompez pas, un individu peut être une organisation. Alors continuons. Ils pensent qu'ils ont une bonne chose. Ils présument qu'il est avec eux, alors que ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens pensaient qu'il était avec eux lorsqu'ils ont serré la main du prédicateur et mis leur nom dans les registres, mais il ne l'était pas. Beaucoup de gens pensaient que lorsqu'ils ont été aspergés, qu'ils ont été confirmés, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il était avec eux. Ce sont des braves gens. Marie et Joseph étaient des braves gens, mais en réalité, ils n'étaient pas là. Faut même dire, ne présumez rien. Amen. Qu'est-ce que la lumière? La parole de Dieu confirmée. Amen. En dehors de cela, il n'y a point de lumière. Amen. Vous ne pouvez pas éclairer la terre avec une lampe torche. Il faut la parole de Dieu qui soit manifestée, le Fils. Amen. C'est pour ça que l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident. De même sera l'avènement du Fils. Alléluia. Et la parole faite chair, c'est ça la lumière de l'âge lorsque vous la voyez. Amen. En dehors de ça, c'est ténèbres sur ténèbres. Amen. Amen. Alléluia. Et ceci, c'est Dieu qui dit, les ténèbres profondes sont sur la terre. Et Branham dit, c'est le jugement qui frappe les temps des nations. Quand on regarde les temps des nations aujourd'hui, on voit les faux Branham. Je vous ai dit, quand la mort frappe, cela ne veut pas dire que les églises ne vont pas grossir. Même un cadavre grossit. Hein. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour cela que comme Dieu est conscient que ça n'est fini pour les nations, de même que ça n'était fini pour l'Égypte, William Branham dit, avant que ces ténèbres ne frappent, il faut que Dieu fasse quelque chose. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que ce ne sont pas des ténèbres naturelles pour que la chair ici puisse avoir peur. Amen. Même la mort qui suit ici, ce n'est pas une mort naturelle. Parce que le Seigneur Jésus ici nous avait déjà prévenu. Il a dit, ne craignez pas la mort naturelle. Il y a une autre mort que vous devez craindre. Amen. Amen. Je vais lire encore fort. Hein? C'est pour ça que sans peur, nous nous déclarons que nous ne sommes pas des pentecôtistes. Amen. Surtout. Amen. 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 J'ai lu fort. Hein? Amen. Je suis dans les événements modernes. Rendu clair par la Bible. Paragraphe 56. Nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge, voyez-vous. Nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut, dans l'âge de l'épouse, où l'Église est appelée à sortir, à se rassembler en vue de l'enlèvement. Amen. C'est l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Amen. Franchement, à mon âme, la vie, c'est l'exacte vérité. Amen. Écoutez encore dans Être conduit, paragraphe 140. Être conduit qui avait prêché le 7 décembre, parce qu'il y en a beaucoup.
le 7 décembre 65. Il dit, Jésus n'a-t-il pas dit que dans les derniers jours, Matthieu 24, 24, les dieux seront si proches que cela pourrait séduire même les chèvres, les prédestinés, les élus, si c'était possible. Presque comme la chose réelle. Ainsi, dans les derniers jours, voyez maintenant le temps du blé. On approche du temps de la moisson. Ce n'est pas l'âge de l'hiver. Ce n'est pas l'âge de la Pentecôte. C'est l'âge de l'épouse. Amen. De même que Moïse a fait sortir une nation d'une autre nation, Christ aujourd'hui fait sortir une église d'une église. Amen. La même chose en type, les appelant, les amenant à la glorieuse et éternelle terre promise. Amen. Amen. Très bien. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham, je prends dans quelle attraction sur la montagne? Paragraphe 168. C'est Manuel là? Ça va là? Ou bien tu es perdu? Ok. Si tu as des questions, il ne faut pas hésiter. Et puis donne-moi ton attention. Paragraphe 168, il dit, oh Dieu, tu as promis qu'il arriverait la même chose aujourd'hui. Je te prie de confirmer cette parole. Nous nous en tiendrons uniquement à cette promesse-là, selon laquelle il arrivera ce qui est arrivé à Sodome, juste avant que Sodome soit brûlé, et que le jugement frappe Sodome, virgule, le monde des nations. De même aussi, le jugement est sur le point de frapper le monde des nations. Et les Juifs ont 3 ans et demi de plus pendant la période de la tribulation, la détresse de Jacob, la suite de 70 semaines de Daniel. Mais là, les jours des nations sont comptés. Il est temps de partir. Amen. C'est vrai, madame, qui dit ça. Mm. Les jours des nations sont comptés. Mm. Les nations se disloquent. Mm. Nous le voyons vraiment. Ils se disloquent. Israël se réveille. Mm. Les jours des nations sont terminés. Mm. Vous êtes avec moi? Amen. Ils sont comptés. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu nous a donné un signe. Vous savez, dans la voie du signe, hein? Frère Madame dit ceci. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que s'il y a un prophète qui vient, parce que le prophète est un signe, vous savez ça? Amen. Amen. Le prophète est un signe. Mm. Lorsque vous voyez le prophète, sachez qu'il doit avoir une voix qui doit suivre. Mm. C'est pour ça que si quelqu'un déclare, je suis prophète, comme on en a beaucoup, prophète des nations, prophète de ceci, flèche de l'éternel, oh ceci, cela, réserve des dieux, et tout ça. Ce n'est pas un souci. Nous allons attendre d'écouter la voix qui est derrière. Frère Branham dit, s'il vient avec la même vieille organisation, les mêmes vieilles compréhensions, il dit, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Je vous défie de l'écouter. C'est dans la voix du Seigneur. C'est lui qui est la voix de Dieu à travers. Écoutez, vous allez écouter, il me dire ça. Il dit qu'il va venir avec quelque chose de nouveau. Mm. Alléluia. Il dit si c'est la vieille même école, ça ne marchera pas. Amen. C'est pour ça que lorsque Branham vient sur la scène, il vous dit le mot rapture que moi j'amène n'est même pas dans la vieille école. Amen. Ce n'est plus la vieille école. Non. Amen. On commence à attendre d'autres sons. Alléluia. Branham dit dans les mariages et divorces, il y a des écoles. Il dit que si nous apportons la vérité ici, beaucoup d'églises vont se casser. Mmh. Amen. Amen. Et vous savez que tout le monde était contre lui à cause de son enseignement. Mmh. Parce qu'on trouvait qu'il avait une doctrine différente. Mmh. Amen. 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 Écoutez. Je prends dans quel ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ. Mmh. J'ai dit, je crois par la grâce de ton ancêtre prêcher le 26 juin 64, paragraphe 57. J'ai dit, je crois que l'église y passera, mais pas l'épouse. L'église passera par la tribulation, oui, messieurs, mais l'épouse est affranchie. Elle ira dans l'enlèvement. En un instant, en un clin d'œil, elle sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. 100%. Écoutez. Pour les soupers des noces. Il n'y a aucune raison qu'elle passe par la tribulation. Son Seigneur a payé le prix. Et nous sommes si reconnaissants pour cela, oui, messieurs.
Donc quand Dieu tire l'épouse de l'église, c'est pour que l'épouse ne passe pas par la tribulation. Amen. Mais l'église, elle qui va rester, va passer par la tribulation. Parce que la tribulation, c'est le sixième saut. Et le sixième saut a trois buts. Purifier la terre, les 144 000 et l'épouse. Et l'église. Vous êtes là? Écoutez maintenant, on continue. Je prends les livres de vie de l'agneau. Paragraphe 81. Maintenant, avant que la période de tribulation ne vienne, d'abord Enoch et Noé étaient les types de ceux qui étaient transportés, comme la Vierge en homme. Mais Enoch a été enlevé avant que la tribulation ne survienne. Amen. Et Enoch fut enlevé et ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Un type du départ de l'Église. Noé l'observait. Donc Noé regardait Enoch. C'est un gars qui est qui a les secrets. Amen. Amen. Noé regardait Enoch. Il dit, lorsqu'il a vu Enoch partir, il n'a pas attrapé le jambes. Mm-hmm. Lorsqu'il a vu Enoch partir, il a su qu'il était, il était temps d'entrer dans l'arche pour y être transporté durant la tribulation. Amen. La Bible dit, 10 vierges sortirent à la rencontre de leur époux. 7 d'entre elles étaient sages, 5 étaient folles. Et elles étaient toutes vierges. Mais 5 étaient sages et avaient de l'huile dans leur lampe. Et elles sortirent pour aller à la rencontre de l'époux. Et l'époux vint et celles qui avaient de l'huile entrèrent. Faut madame dire, voyez la translation, le départ avec l'époux. Je continue. Mais celles qui étaient restées en arrière vinrent et voulurent aussi entrer. Exactement comme les gens qui vinrent frapper à la porte de l'arche. Noé, laisse-nous entrer. Mais Dieu avait fermé la porte. Frère madame dit, chaque vrai ministère envoyé par Dieu a trois signes. Ou trois poules. Trois attractions. Frère madame dit, les deux premiers signes sont attachés à l'office. Le troisième n'y est pas. Parce que le troisième, c'est le jugement. Mm-hmm. On a dit, ouais, l'ouverture du troisième pool, les âmes hein, en prison. Alléluia. Amen. 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 Il dit, paragraphe, je prends le paragraphe 84. Oh, mes amis, l'un de ces jours, Dieu vous appellera pour la dernière fois. La porte entre la grâce et le jugement sera alors fermée. Ne restez pas à l'extérieur. Entrez maintenant pendant que vous avez la possibilité. Ne faites pas attention à ce que le monde dit. Entrez en Christ. Car ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera avec lui. Alors, cette vierge sage était partie dans la translation. Qu'est-ce qui arriva à celle qui vient frapper à la porte? Qu'arriva-t-il? La Bible dit, elle fut jetée dans les ténèbres du dehors. Où il y a des pleurs et des gémissements et des grincements des dents. Écoutez, Israël, lorsque la période de tribulation sévissait en Égypte, rien n'avait frappé les Israélites parce qu'ils étaient au lieu pourvu par Dieu à Goshen. Point de tribulation. Voyez-vous, les autres passaient par la tribulation, mais pas ceci. Amen. Continuons. J'ai envie de lire encore deux citations et je m'arrêterai là pour que nous continuions avec le plan de feu. Frère Branham dit ceci. Je suis en parle à ces rochers. Paragraphe 22. Combien ils avaient facilement oublié lorsque le plaid tombait sur l'Égypte et ils étaient protégés. Lorsque tout était couvert de mouches, il n'y avait pas une seule mouche autour d'eux. Que lorsque tout les lits étaient infectés de poux. Tous les vêtements, il n'y avait pas un seul sur eux. Les grenouilles étaient dans les armoires et partout, chez les incroyants. Mais eux, ils avaient été protégés. Dieu montrant sa miséricorde. Remarquez, quand cette grande nuit finale arriva, Dieu a dit, c'est mon coup final que je donne à l'Égypte. Mais avant de donner ce coup, je dois mettre mes enfants en lieu sûr. Et un agneau de sacrifice fut immolé et le sang fut appliqué sur le montant
et les linteaux de la porte. Et l'assemblée s'est mise sous le sang. N'oubliez pas, c'était la dernière plaie qui a frappé l'Égypte. Et la dernière plaie qui frappe l'Église aujourd'hui est la même plaie qui frappa en ce temps-là, la mort spirituelle. En effet, de même que Dieu les a conduits littéralement, il nous conduit spirituellement. Amen. Et le dernier coup qui est donné à l'ennemi, c'est la mort qui frappe. Amen. Et tout ce qui n'est pas sous le sang, virgule, le Saint-Esprit les retranche de la communion. Amen. C'est pour ça que nous avons dit, le mystère agneau ne peut se trouver qu'ici. Vous êtes avec moi? Amen. Et Frère Branham dit, c'est sous le sang qu'Israël est sorti. C'était sous l'aspersion du sang. C'est pour ça que je vous ai dit que faites attention. Moïse était prophète sacrificateur et roi. Et c'est sous l'aspersion du sang qu'Israël est sorti. Parce que là où il n'y avait pas le sang, la mort devait frapper. Mais Frère Branham dit, remarquez qu'ils sont sortis une foule mélangée parce qu'ils n'avaient pas l'agneau parfait. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. La question est ceci. Frère Branham dit, nous avons ici nos sept aspersions de sang. Vous le croyez? Amen. Mais, c'était le soir. Quand le soir allait commencer, c'est là où l'ange de la mort devait venir. Et Branham dit, il devait trouver si le sang a été placé sur la porte et les linteaux. Parce que s'il n'y avait pas de sang, c'est pour ça que je vous dis ici, il n'y a pas moyen de dire que vous avez la vie si on ne vous a pas vu sous une certaine aspersion du sang. Et Dieu n'a eu que cette aspersion du sang. Donc la personne qui aujourd'hui pourrait prétendre à la vie, c'est celle qui a connu la septième aspersion de sang. Amen. Et cette aspersion de sang, il ne s'agit pas de sang naturel. William Branham dit, c'est la vie littérale. Alléluia. Et comment nous avons vu la vie littérale? C'est que ici, dans les derniers messagers, nous avons vu le même sang qui était à celui-ci. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est le même sang qu'on a vu. Parce que c'était ça l'évidence que Dieu demandait pour que la mort ne puisse pas vaincre. C'est pour cela que le quatrième être vivant, il avait la face d'un aigle. Amen. Et vous allez voir que c'est sous les ailes de l'aigle que Dieu vous porte dans le rocher jusqu'à ce que la colère passe. Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. Je peux lire encore le prophète? Amen. Amen. Et j'arrive à la fin pour aujourd'hui. Je prends d'Israël à la mer Rouge. Maintenant, nous arrivons à la dernière plaie. C'est prêché le 27 mars 53, paragraphe 57. Dieu dit, j'en ai assez de perdre tous ces temps. Maintenant, je vais donner la dernière plaie. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez. La dernière plaie était la mort. Nous avons eu des tremblements de terre. Nous avons eu des guerres et des bruits de guerre. Nous avons eu des rats de marée comme Jésus avait dit qu'il y en aurait. La mer grondant et les cœurs des hommes défaillants. Encore plus de maladies des cœurs. La maladie la plus répandue. La peur, il dit, s'étend dans la confusion. La détresse parmi les nations. Les équipages sans chevaux sur des chemins larges. Et toutes ces choses sont accomplies. Mais la dernière plaie est la mort. Non pas physiquement parlant, mais spirituellement parlant. La mort spirituelle dans l'Église. Vous remarquerez que c'était parmi les fils la mort spirituelle. L'Église a plus de membres qu'elle n'en a jamais eu. Elle se développe mieux que jamais auparavant. Et cependant, elle est plus faible en esprit que jamais auparavant. Amen. Il dit, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Comme il en était en Égypte. Maintenant, remarquez la dernière chose. Mais avant, ils étaient en Égypte. Maintenant, remarquez. Mais avant que Dieu ne laisse la mort spirituelle tomber, il ouvrit une issue de secours pour ceux qui voulaient. Quand on dit Alléluia, j'aime cela. Amen. Dieu ouvrant une
munici de secours pour ceux qui désiraient y marcher. Maintenant, ceux qui ne voulaient pas, très bien, ils continuèrent, ils connurent la mort. La mort dont nous parlons, c'est pour ça que j'ai dit, l'autre fois, vraiment, j'ai dit ça vendredi ici, j'ai dit, si nous, nous devons quitter la terre, parce qu'une certaine bombe risque de frapper ici et va tuer nos chers, j'ai dit, profondément, ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire. Amen. Parce que la mort dont il est question ici, il ne s'agit pas de la mort naturelle. Amen. Parce que la mort naturelle, nous pouvons la croiser à n'importe quel coin de rue. Amen. Il n'y a rien de comment dire, qui tient ici. Il n'y a rien qui tient ici. Il n'y a rien de solide sur lequel s'accrocher. Rien. Tu peux acheter la meilleure voiture, et connaître un accident, et la mort passe par là. Et, donc il n'y a rien. Mais Frère Branham nous dit ici que la dernière plaie que Dieu devait lâcher, amen, il dit, c'était la mort spirituelle. Et vous voyez que quand le quatrième son s'ouvre, c'est le cavalier au cheval pâle qui débarque. Alléluia. Et il s'appelle la mort. Et le séjour de mort l'accompagne. Et lorsque Branham nous définit le séjour de mort, il ramène encore ces histoires. De sorte que Branham nous dit, souvenez-vous, nous vivons dans un cimetière. Amen. Mais Dieu doit ouvrir quoi une issue de secours. Parce qu'à celui qui vaincra, amen, il n'aura pas à subir la seconde mort. Celui-ci ne connaît pas la seconde mort. Amen. Juste. Amen. Il ne connaît pas la seconde mort. Donc on parlait au vainqueur. Amen. On ne parlait pas à celui-ci. Amen. Celui-ci ne connaît pas la seconde mort. Amen. Celui qui connaît la seconde mort, c'est l'âme. Amen. C'est pour ça que l'ennemi avec vous étudier cela. Chaque récompense des âges, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ces messieurs. Amen. Amen. C'est pour ça que Madame dit, nous ne sommes pas dans l'âge pentecôtiste. Non, amen, monsieur. On va aller voir là. Il dit, nous devons monter ici en haut. Amen. Parce que si nous ne montons pas ici en haut, mes frères, amen, c'est la confusion qui est totale. Très bien. Le système ecclésiastique a montré ses limites. Amen. Pourquoi? Parce que la mort est dans le monde. Mm-hmm. Je vais finir en lisant Frère Branham ici. Toujours dans la même brochure. Frère Branham commence à dire, remarquez maintenant le chapitre 12, au verset Moïse. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, c'est moi-ci sera pour vous le premier des mois. Là, Dieu commence à introduire encore la fête de Pâques, comme le frère Abraham avait prêché ça ici. Vous vous souvenez de ça? Amen. Et remarquez, là où il n'y a pas de sang, la mort y est. Mais ici, ce n'est plus seulement un agneau naturel. C'est nous qui avons le véritable agneau. Amen. Donc, le moyen pour nous de sortir vivants. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que souvenez-vous, la dernière nuit, quand l'ange de la mort parcourait le pays, c'était le sang de l'agneau qui était appliqué. De sorte que l'endroit, Frère Branham, je dirai peut-être ça prochainement, Frère Branham dit ceci. Il dit que l'ange de la mort ne faisait pas de distinction. Oh, dans la maison, j'ai des photos, j'ai des brochures. Pas de distinction. Oh, vous voyez, il dit, oh, on va frapper seulement des Égyptiens. Ça n'a rien à voir. Il dit, il devait voir si le sang y est. Alléluia. Le sang, c'est la vie littérale. Amen. Et cette vie littérale de Jésus-Christ commence par le messager. Amen. Parce que c'est lui qui est en train de répandre. Et la sortie s'est faite à ce moment-là. Amen. 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 Parce que sur la terre, ça ne sera que la mort. Et la mort. Ça n'a rien à voir avec la mort. C'est pour ça que Jésus avait dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Amen. Quand bien même, il serait mort. Voilà, il dit, lorsque vous naissez de Dieu, vous devenez un être vivant. Double. Quand bien même il serait mort, c'est celui-ci. Amen. Celui qui ne mourra pas, c'est l'autre là. Amen. Et Dieu est en train de poursuivre. Lui, il s'appelle l'élu. Amen. Lui, il s'appelle l'épouse. Amen. Il faut maintenant pas l'identifier. Lui, il s'appelle la dame élue. Amen. 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 Et Dieu les recherche depuis. Parce qu'il est de la race de Dieu. Amen. Il est de la famille de Dieu. Amen. C'est le frère de Jésus. Amen. 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 C'est ça la part qui est la plus importante dans la vie d'un chacun. Amen. 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 C'est lui qui vaincra. Amen. Amen. Il n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Telle une plaie qui est en train de frapper. Il dit, l'église de la nation, je vais terminer. Vous croyez que c'est par hasard que vous retrouvez encore Israël dans sa terre? Non, 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 non. Vous croyez que c'est par hasard qu'il est là depuis 46? Non. Parce que nous avons compris que quand il a été détruit, Dieu a visité l'ancien.
Nous allons comprendre le but de Malachie 4. Vous allez comprendre les deux parties de Malachie 4. Frère Branham dit, faites attention. Parce qu'après ceci, nous verrons un prophète comme Jean. Amen. Ou bien un prophète comme Élie. Remarquez ce que Frère Branham dit avant que je finisse. Il dit ceci. Il dit, ne prenez jamais Jean le Baptiste et le mettre dans Malachie 4. C'est faux, ne faites pas ça. Alléluia. C'est comme ça qu'au début on voulait expliquer les gens. En prenant Jean et plaçant dans Malachie 4. Toujours. Parce que nous disons, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Non, dit. Et le cœur des enfants à leurs pères. Maintenant, comme nous, on ne savait pas l'autre côté, on disait, ouais, il ramènera le cœur des enfants à leurs pères. Vous voyez, ça, c'est Frère Branham qui nous ramène à la fois à apostolique. Le père à leurs enfants. Vous voyez, ça, c'est Jean qui ramène. Non, monsieur. Non. Amen. Malachie 4 a été posé. Et ce n'est pas Jean. Jean, c'est Malachie au chapitre 3. Alors faites attention, si vous n'êtes pas sur cette dernière aspersion, la mort sera sur. Et il faut voilà, vous allez vous dessécher. Peut-être qu'on va avoir beaucoup de membres. Peut-être qu'on va grossir, mais spirituellement, on n'aura pas la valeur. La moindre épreuve, on ne sera pas la supporter. La moindre chose, on va paniquer, on va perdre les repères. Et surtout que nous sommes dans un âge d'épreuve. Amen. Mais souvenez-vous, à cet homme intérieur, on a dit ni maladie, ni souffrance. Ni pleurs. Amen. Sur cette montagne, il n'y a pas de dommage. Faites avec moi. Amen. Il dit, lui, il est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Il est le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.